suis actuellement retraité. Auparavant, j'étais conservateur en chef du patrimoine et j'ai notamment fondé le musée d'Argentomagus. Après, je suis allé en Touraine où j'ai dirigé le service des monuments, musées et maisons d'écrivains de l'Indre-et-Loire. Il s'organise en fait en deux grandes parties. Dans la première, qui est intitulée « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les voies romaines du département de l'Indre », c'est toute une série de paragraphes dans lesquels j'ai bien aimé tordre le cou à un certain nombre d'idées reçues sur ces routes antiques qu'on imagine pavées, qu'on imagine toutes rectilignes. Ça n'est pas du tout ça dans notre département, bien entendu. La deuxième partie, c'est une série de balades, il y en a 33, et on peut suivre 16 voies romaines. Dès 1970, à l'université de Tours, j'avais consacré mon mémoire de maîtrise à la voie romaine Argentomagus-Levroux. Ensuite, il y a quelques années, j'ai fait un ouvrage sur les voies romaines de la Gaule, et j'ai toujours rêvé d'écrire des voies romaines de l'Indre en mêlant mes deux passions, celle pour le Bas-Berry et le Berry, et puis celle pour l'Antiquité romaine et les routes en particulier. On peut être lecteur, aimer l'histoire, être féru d'histoire, mais aussi on peut aimer marcher. Et là, je crois que c'est une autre façon de marcher, c'est musarder dans l'histoire en empruntant les chemins du passé et s'y accrocher un peu de romain à ses semelles.